Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons aujourd'hui pratiquer une taille sur cette oliveraie, une taille de formation d'entretien de l'olivier. Alors, il faut savoir que les oliviers, avant d'y rentrer, avant de tailler, eh bien, il faut le regarder, s'approcher et avoir une façon d'aller à sa rencontre. Il ne s'agit pas de prendre le sécateur, le couteau-ci, et de couper. Non, il s'agit de l'observer et en même temps, on va lui donner une forme et surtout, dans une oliveraie comme ça, c'est pour la fructification. Ça, c'est la chose la plus importante. On ne va pas tailler un olivier comme au rond-point qu'on retrouve dans la ville. Nous, tout d'abord, quand on s'approche de l'olivier, eh bien, on va y rentrer dans l'olivier de manière à pouvoir intervenir d'abord à l'intérieur et ensuite on passera à l'extérieur. Quand on a fini l'intérieur, quand on a fini l'extérieur, on va s'occuper de la partie haute de l'olivier parce qu'un olivier, il ne faut pas qu'il monte. Quand on l'aura rabattu, eh bien, ça sera très intéressant pour la récolte. Eh bien, on n'aura pas besoin d'escabeau, on n'aura pas besoin d'échelle. On pourra utiliser la main de l'homme pour aller récupérer les olives qui sont à la hauteur. Voilà un petit peu les principes. Alors, il faut savoir que dans un olivier, il y a des racines, il y a un tronc, il y a des branches charpentières et des rameaux. C'est les rameaux qui nous intéressent. Les rameaux, bien, ce sont les rameaux avec les bourgeons floraux qui vont, dans quelques temps, donner des fleurs et par la suite des fruits. Hein, les fruits qu'on va récolter à l'automne. Voilà, alors je vais rentrer à l'intérieur de l'olivier pour aller à sa rencontre. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Eh bien, on va couper les petits rameaux qui sont indésirables. On va couper les petites branches qui sont mortes, parce que ça ne sert à rien, étant donné que celles-ci, elles ne produiront plus de feuilles ni d'olives. Voilà, je rentre à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons ces petits rogers qui sont là, qui sont indésirables, parce que si on les laisse, ils vont grandir, ils vont se développer à l'intérieur, ils vont faire de l'ombre sur les charpentières, donc on va les supprimer. Alors, pour les supprimer, eh bien, on va les couper. Alors, pour les couper, il faut toujours penser de couper à ras. Il faut pas couper comme ça, vous voyez? Si on laisse un petit bout de végétal, eh bien, celui-ci va pousser, il va repousser l'année d'après. Donc, on les coupe bien à ras, vous voyez? Alors, moi, j'ai un sécateur électrique, mais vous qui n'êtes pas professionnel, hein, vous prenez un sécateur comme ceci, eh bien, c'est suffisant pour tailler un olivier. Également, un petit couteau-ci, parce qu'un couteau-ci, ça sert de couper des charpentières qui sont mortes. On continue à couper des petites branches qui sont à l'intérieur. Voilà, on fait le tour. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur, dans tous les oliviers, ce ne sont pas des arbres tels qu'un platane où les branches poussent d'une façon droite, d'une façon rectiligne. Il y a quelquefois des doublons. Donc, il y a des branches qui sont doubles. Eh bien, il faudra en choisir une des deux de manière à équilibrer l'olivier et en même temps, de lui donner la forme qu'on veut. Hein? Alors, voyez-vous, par exemple, ici, il y a un doublon et il y en a une qui est en bas, qui est indésirable. Alors, pour moi personnellement, mais je vais la supprimer. Voilà, je vais la supprimer. Ici, nous avons un doublon qui, si on regarde bien, il y a des branches qui rentrent à l'intérieur de celle-ci. Eh bien, on va la supprimer. Voilà. Quand un olivier comme celui-ci, il perd ses feuilles, ce n'est pas une maladie, c'est simplement un manque, je dirais, un petit peu de fertilisant, hein, parce que cet arbre-là, au pied, ben, quelquefois, il faut y donner à manger, comme tout être humain, vous aimez bien boire, vous aimez bien manger, et bien l'olivier, il faut lui donner un peu de la nourriture. Après avoir un peu retourné la terre avec une motobineuse, eh bien, on va lui mettre un fertilisant à l'aplomb de cette partie extérieure du feuillage. Alors, il y en a comme ceci qui sont
qui sont en doublon, eh bien, on va en laisser quand même quelques-uns. Hein, on ne va pas tout couper, je répète. C'est pas un platane, hein, c'est un olivier. Maintenant qu'on a fait l'intérieur, qu'on vient de passer à l'extérieur, c'est-à-dire le côté couronne, eh bien, on va passer, comme je vous ai dit au début, à la hauteur. On va l'abaisser. Alors, pour cela, soit vous prenez une petite échelle, soit, comme on dit en Provence, un escarasson. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le mot escarasson. Hein, c'est une échelle à trois pans dans lequel on peut monter et être à la hauteur de l'arbre. Voilà un petit peu. Alors, s'il y a quelques cimes qui dépassent, c'est pas grave, hein, c'est pas un côté vraiment horizontal. Hein, c'est pas un champ de lavande où on a taillé la lavande d'une façon horizontale. Voilà un petit peu comment on étête un olivier. Lorsqu'on a terminé, après avoir fait l'intérieur, après avoir fait le pourtour et après avoir terminé la hauteur, eh bien, on s'éloigne de l'arbre, on le regarde et on revient sur la dernière pose du dernier geste en disant « mais tiens, il y a quelques branches qui dépassent, je les termine comme ça ». Voilà, je vous remercie.